Et Grig, la VOD, c'est la fosse à purin. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je ne le sais pas. De toute façon, on doit continuer à bosser. On va peut-être faire le chemin qui mène au champ, histoire de donner à Jacob la possibilité de vendre ses produits sur un marché qu'il faudra qu'on fasse également. Ma foi, pourquoi pas. il faut aussi qu'on fasse le restaurant extérieur, hein. Voilà. Je suis à moitié en lurk car encore en télétravail, mon fils est arrivé. Ah, salut Liam. Et merci pour le lurk. Mais ouais, faut qu'on fasse le restaurant, enfin, faut que je le fasse un peu différemment. Et vu qu'il y a une grande zone de libre au-dessus du restaurant, est-ce qu'on ferait pas le marché dans le coin? Genre, on ferait une route qui irait jusque là, donc jusqu'à en dessous de chez Panty en fait. Et puis, comme ça, on ferait ouais, le marché ici. Comme ça, les productions de Jacob iraient directement au restaurant. Ça fait circuit court, éco-responsable, hippie, truc dégueulasse, quoi. Il a fait un grand sourire en entendant son nom. Liam, 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 Liam. Salut, salut gamin. Ne regarde pas cette chaîne, c'est très mauvais et c'est très vulgaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Jason est sur le Vulcan, yes. Bon, on va commencer par une micro-routine. Évidemment, vraiment micro-routine, hein, je vais pas me faire chier non plus. Alors, Coline, tiens, elle m'envoie un truc, Coline, c'est mignon ça! Runar, je sais plus ce que j'avais acheté hier, tiens. Ah oui, c'est vrai, Coaline m'a invité chez elle hier et elle m'a offert ça. Genre, Kekaos, je vais pour partir, elle fait ah ouais, Kekaos, c'est trop bien. Et pof, elle me l'offre. Toile incroyable. Putain, je sais plus du tout ce que c'est, quoi, au secours. C'est pas grave. Je suis à côté, je prends, bien. Mais on va pas trop se prendre la teuté. Hop là, le petit héroïne, qu'est-ce que c'est? Un poufoïde. Un poufoïde, bah tiens, vous savez quoi, je vais l'offrir à cette brave ninjette qui est ici. Une de mes petites préférées, tellement elle a une tête rigolarde. Bonjour. Bon là évidemment on voit pas sa tête parce que j'ai foiré, mais... Ouais, j'ai quelque chose pour toi, ouais. Un bazooka. Je sais plus exactement quelle gueule il a le poufoïde pour le coup. Un t-shirt de robot héros. Oula, putain, je connais pas celui-là. T-shirt de robot héros. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On va le mettre là. Placer. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors ils sont pas fait chier, ils ont pris le. Comment dire, le. La photo. De leur énorme robot qu'on peut mettre sur l'île. Okay. Alors hop, on fait vite le tour des maisons parce que je veux savoir qui craft pas machin. Qui fait la cuisine évidemment. Salut Tirebou, tu es chez toi. Ah bah voilà, ça va être très rapide du coup. Alors oui, bourrin, oui, c'est moi, bourrin. Une boîte à malice tuée. Est-ce que je le laisse? Ah merde, je l'ai déjà. Je l'ai jamais crafté, mais. Non, j'avais déjà le plan, quoi. Merci quand même, petit Druk. Tu es beau, être un sportif. Je t'aime bien. Ok, let's go. D'ailleurs, tiens, alors rien à voir, mais je me suis aperçu que mes VOD étaient de retour en 1080p. Je suis très satisfait. Donc en fait, c'est Streamlabs qui m'emmerdait, je sais pas pourquoi. C'est tout en 720. Donc voilà, Astro, vu que tu es le seul au monde à regarder mes VOD, eh bien sache que tu retrouves, enfin tu as déjà pu retrouver tes 1080. Je sais pas si t'avais fait attention, mais
voilà, je suis bien content. J'en suis fort aise. Ok. Donc là, on chope. On chope n'importe quoi. On va voir à la borne s'il n'y a pas un petit quelque chose. Le magasin, on va voir Runar, on va sur HHP choper des Poki, éventuellement des meubles et bisous quoi. Voilà, ça me saoulait de voir que toutes mes VOD via Streamlabs étaient en 720 quoi. Alors que je me fais chier à les enregistrer en 1080, mais enfin je comprenais pas trop. Au début je me suis dit ah bah tiens c'est peut-être YouTube qui fait chier, machin, ça, tout ça. Et en fait non, voilà. C'est revenu bien comme il faut. Ok, donc il n'y a rien. Ah, il a mangé du caca, bien joué. Bien joué. Allez, zou, le magasin. Ah, j'allais prendre un café aussi à un moment. Que je ne loue pas mon petit café quotidien chez Ruby. Et ouais, du coup, je pensais prolonger la route là-bas, tout loin. Le pont, la route, machin, et puis bifurquer vers le nord de l'île, puis faire une petite place du marché, pourquoi pas, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Rien de nouveau, si ce n'est ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est super mignon. Façade western. Oh, mais c'est marrant, ça. Oh. Tu connaissais ça, Mégalo, si tu es dans le coin encore? Façade western, putain, c'est stylé. Alors, à l'utilisation, en ce qui concerne mon île, je pense que ça va être un peu costaud, mais l'idée est cool. L'idée est cool. Ok, le reste, bah absolument tout le reste, j'ai quoi, donc bon. Ah, t'as mis chez Stéphane. Ça fait longtemps que je suis pas passé chez toi aussi, donc j'ai pas... Et puis je connais pas ton île par cœur, donc voilà quoi. Sur tablette j'ai un décalage. Ah merde! Mais quel enfer! Pourquoi est-ce que tu ne suis pas le stream sur un PC gamer à 5000 euros quoi? Je pense que je mérite bien ça quand même. Je vais streamer en 4K exprès pour toi avec ton PC gamer à 5000 euros. Si un jour je t'invite sur Mini. Ah bah oui, non, mais avec plaisir. Avec plaisir que je repasse chez toi. Parce que j'étais déjà venu, il semble bien. Mais c'est vrai que ça fait longtemps. Et bah toi, autant je pense que tu commences à connaître mon île un petit peu. Force de la voir et puis de venir. Faire des coucous, mais c'est vrai que chez toi je viens pas souvent. Le Samsung a dit se fait très bien le taf. Oui, mais Astro, si tu n'avais pas ton PC, tu vois, tu aurais galéré hier pour les nanars quoi. Je pense celle-là, parce que je crois que c'est une Legi. Ouais, la fake, elle a des espèces de petites antennes cheloues. Que à côté. On dirait que la perle elle est ronde et pas en forme d'étoile. Bon, c'est pas grave, je verrai demain. De toute façon, je peux pas choper d'autres œuvres d'art maintenant. Ah, merci, un gland. Donne-moi ton gros gland. Cornemère. Alors, du coup, tenue de joker. Non, j'en ai déjà. Oui, donc le t-shirt de robot est vu. Garde, hein, façade western évidemment, le gland, et puis ah oui, c'est vrai que j'ai la toile incroyable à aller faire analyser. Allez, ouf. Incroyable, mais vrai, je crois que c'est hier. J'ai chopé genre 3 ou 4 items chez Sarah quoi. Sol steampunk, il y avait un tapis fossile qu'il faudrait que je mette d'ailleurs à l'étage de chez Rompiche, tiens, maintenant que j'y pense. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je sais plus. Mais ouais, il y avait
pour une fois plein d'items à choper, j'étais très content. Pour une fois que Sarah ne sert, enfin, sert à quelque chose en ce qui me concerne. Oh mon dieu, quoi cette petite tête là? Oh putain, ils sont beaux les deux là. Ils sont très très beaux. Bif. Vigilante, je l'ai déjà, c'est vrai. Putain, il y a un perso qui s'appelle Bif comme Bif Tannen quoi. Putain, mais il y a trois millions quoi. Pierrot. Ah, il y a Kabuki aussi. C'est Kabuki son nom, je crois. Drôle de tronche, quoi, mais... Je vais prendre ce lustre également. Je crois que j'ai déjà cet objet. Mais bon, au pire j'en aurai deux, c'est pas plus mal. Un lit basique, le reste j'ai ou je ne veux pas. Ça ira très bien. Échange. Clochette vert, Poki. Poc, poc, et voilà. Comme ça on fait un stock de thunes. Parce que l'ami Megalopolo, il nous disait qu'il y avait des objets qui coûtaient très cher un petit peu hein, dans la boutique de loup. Donc bon. Et ouais, bah y en a trois qui avaient des bonnes têtes là pour le coup. La flemme un peu de m'occuper de leur car. C'est dommage hein, parce que bah du coup dès demain ils sont plus là. Et là j'ai envie de m'occuper de ma mine. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Peut-être la terrasse du restaurant. Éventuellement. Est-ce que j'ai des items... ouais. Des items posés. T'es en train de pêcher, Colin, là? Je vois rien, ça n'a pas mordu. Alors, vigne géante, lit poche, lustre à bougie, lit basique. Ok. Très très cher, oui, pour des meubles en particulier, ouais. T'avais donné le tarif en plus hein, de certains trucs et je sens que c'était assez délirant. Donc c'est pour ça du coup depuis que j'ai ton info je cumule un peu les Poki comme ça sera plus pratique. Alors hop. Bonjour. Alors, donation. Ah. Est-ce que j'ai déjà... Est-ce que c'est un fake? Pour du déroulé, je crois. Et merde. Tant pire. Ah, la statue que j'ai achetée aujourd'hui... merde, putain. Comment je voulais prendre un café? Il me semble que je l'ai déjà dans le musée. Donc bon, au pire, ça fera pour un échange. Mais fuck. Ouais, dommage. C'est dommage. Mais bon. Alors, je vais ranger un peu tout ça. Attends, j'aurais pu revendre. Non, c'est pas grave. Je revendrai ça demain. Ou tout à l'heure si je trouve d'autres fossiles que je me fais chier à les faire analyser, tout ça. Mais au pire, ce sera demain. Voilà. Bon. Salut Robusto, mon cher. Oh, il y a un petit café. Ah, cette ambiance chill quand même du perchoir, j'aime beaucoup. C'est dommage que ça serve vraiment à rien, quoi. Mais malgré tout, j'y vais tous les jours. Alors, je passe une minute dedans, mais bon, j'y vais tous les jours, donc c'est que ça me plaît. C'est pur qu'il se révèle vraiment.
Merci Robusto. C'était délicieux. Allez. Zou. Après ce bon café au travail. Tiens, je me posais la question, je ne sais pas combien de gyros différents ont été rajoutés au jeu. Parce que je commence à en avoir pas mal en jeu quand même. Hein. Ok, donc ici, tac tac tac. Donc là, on va pouvoir faire le restaurant dans le coin. Ah bah tiens, il y a Jacob qui pêche aussi. Donc oui, du coup, je pensais mettre... Ah, attends. Attends. Du coup, ça va ici, parce que là... Ah ouais, il faut aller large à la place. Ah oui, alors j'ai tout ça. Toc, toc, voilà. On va les poser celle-là. Et ensuite les roses. Voilà quoi. On va mettre ça. Ça ici. Damn. Quoique, dans ce sens-là, c'est rigolo aussi. Dans ce sens là je vais mettre le petit panneau welcome ici évidemment, voilà, et bah tiens, on va passer en mode remodile. Oui. Ah merci Mégalo, c'est cool, merci de ton concours. Alors petit chemin en pierre évidemment. Voilà, comme ça on a les mêmes chemins, c'est beau. Ok. Donc, pour le reste. Comment je fais ça? Parce que du coup j'ai une route ici. J'ai une route qui est jusque là. Est-ce que... Ah oui mais putain! J'avais oublié que j'avais toute une terrasse là. J'avais complètement oublié ça. La terrasse, il faudra que je la mette en bas si je mets le restaurant. Ah. merde. Ou alors je fais un restaurant tout en horizontal qui va jusqu'à la plage. Et un marché que je mettrai éventuellement en bas ou en haut. Jusqu'où va ma petite terrasse là? Elle va jusqu'ici. Donc jusqu'aux tables, là, les décorations, je lui ai fait des partages. 37 gyroïdes au total, d'accord, merci pour l'info du coup. Ok, ça va jusque là. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas bouger la terrasse sur la plage là, dirons-nous. Je vais faire un restaurant en horizontal qui mènera du coup à la plage. La plage avec les trucs quoi. Et je vais peut-être essayer de faire le marché donc genre par là. Je vais bouger tout le côté dock là ici que j'ai jamais vraiment rebossé d'ailleurs. Faudra que je bouge tout ça et que je fasse un marché aux poissons, enfin une criée mieux foutu, qui prendra peut-être plus de place en longueur, mais plus aéré, à côté du marché. Comme ça on aura vraiment marché et criée en même temps. Et je pense que ce sera pas mal comme ça. Les fleurs vont m'énerver. Vont me faire chier la bite, je vais niquer leur race.
te propose par acquis de conscience, Miguelo, mais je pense que tu n'as pas besoin de ces roses violettes, roses mauves. Parce que si tu en as besoin, écoute, justement, je passe chez toi vu qu'on en parlait, et puis je te les cède avec grand plaisir. Ah merde, m'appelle. Damn. Toc. Toc. Encore une pelle colorée, quel enfer. On dirait des jouets, ils sont moches. Je préfère les trucs de rando. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Ouais, je m'en doutais, mais je préférais demander plutôt que de passer à côté d'un cadeau qui aurait pu faire plaisir. Mais oui, te connaissant, je m'en doute un petit peu. Les fleurs et tout dans Animal Crossing, c'est un peu une histoire d'amour. On pourrait essayer de se faire un marché. Comment faire un marché? Avec quelles idées on pourrait faire ça? Alors, évidemment des stands. Des caisses qui sont là-bas. Ouais, non, ça va être chiant. Ça va être chiant avec les docks là. Bon, je vais refourguer mes trucs déjà. Ça fera de la place dans les poches et je vais en avoir besoin. C'est ça, Mégalo, ouais. Okay. 4320, ah bah putain, c'est pas cher payé. Ok. Et bien, c'est parti, on va déplacer le restaurant. Est-ce que ça va le son du jeu là? Du coup, je vous ai pas posé la question, mais normalement ça devrait le faire. Mais au cas où, je préfère poser la question comme j'ai refait tout mon son là. Et bah, apparemment, je l'ai mal refait parce que. Et voilà quoi. C'est nickel de mon côté, ok parfait. Le volume sonore c'est jamais trop facile à se rendre compte de ça. J'adore, merci Miguel. Si on arrête quelque chose par là. Et bah, là aussi. Ah putain, mais ça fait ultra haut en fait. Du coup. En fait, ça s'arrêterait là aussi. Merde. Ouais bah c'est ça hein. C'est plutôt bon. On va faire aller un de plus. Et puis on part dans ce sens là. Merde, évidemment. Et puis j'ai jamais enlevé le petit panneau de notre conférence. Le con. Ah
Du coup, il va falloir que je déplace des arbres et tout. Putain, ouais, il va falloir déplacer. Ouf. Attends, comment est-ce que je vais faire ça? Ça va faire bizarre. Réduire un peu. Ouais, on va faire jusque là, je pense. Mais putain, mais j'arrête pas de dégommer mes fleurs aujourd'hui. Désolé, petite fleurette. Pour l'instant, je clôture comme une brute et puis on verra ensuite où est-ce qu'on fait les ouvertures, tout ça, tout ça. Venez là, mon petit meuble. J'ai envie de partir à monter sur mon île. J'ai plus de 50 plans sur mon île. Alors fournir. Ah oui, putain, ça commence à faire. Ouais, j'ai récupéré encore des plans en double, hein, évidemment. Mais j'arrive jamais à choper Mortit. Déjà, quand je stream sur ces heures-là, bah, je crois qu'il est au boulot. Donc c'est foutu. Et lors de ses streams à lui, en fin d'après-midi. Il y a eu plein de fois où j'étais pas dispo et ça me cassait trop les couilles parce que j'adore ces streams à Morty. Et puis bah, il y a des fois où juste il stream pas Animal Crossing, donc bah voilà quoi. T'as fini mode papa activé, go préparatif du repas, saucisses et légumes. Yes! Bon appétit, bon mode papa. Tout ça. Mon cher Astro. Tiens, il y a Coco qui est en pleine réflexion. Putain, ça fait... C'est énorme là en fait, ce que je suis en train de faire. C'est très 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 grand. Comme ça, je pourrais fournir plein de meufs, quoi. Je sais que j'ai chopé le bar à salade hier, par exemple, que je pourrais complètement mettre là. Hein. Pourquoi pas. Et du coup... On s'arrête ici, là, comme ça. Mais coucou. Non, je vais pas être content si je la pousse. Je vais faire une ouverture quelque part parce que sinon. Ah ben remarque, il y a une ouverture ici. Ah, évidemment, le buisson il va faire chier. Il faut
ça tombe évidemment pile où il y avait un buisson, connerie. Je pense qu'on va mettre le buisson, tu vois, on va mettre ça aussi. Allez, ici le buisson. Il me reste deux clôtures de ferme. Quel enfer. Dis-moi pas que c'est pas vrai comme disent les cons. Putain, fais chier. Ah oui, mais je n'ai pas encore fait d'ouverture. Donc, déjà une ici, et il faudra bien une là-bas. Je pense qu'on va faire une pour ici. Est-ce que je peux pousser ce machin-là? Tout à fait. Tac. Et l'ouverture là. C'est absolument pas symétrique, tant pis. Et du coup, on aura assez pour finir la clôture. Toc. Ok. Au niveau de la place dans mes popoches, ça va, j'ai encore un peu de place. Ah, il va falloir que j'enlève des clôtures ici pour enlever le parquet en dessous. Enfin, la route pavée bois, quoi, comme ils disent. J'aurais dû le faire avant. Je n'y avais pas pensé. Ça marche, bon appétit, mégalo. Il est loin la flemme. Ça, c'est les passages passionnants dans ce jeu. Faire du pavage au sol, c'est fou. C'est exaltant. Elle est beaucoup plus longue, plus large, cette terrasse. Je pense pas, ça fait un grand buffet. Je dois avoir pas des machines à glace, mais des présentoirs à glace, ce genre de trucs. Ça va être bien aussi. Ça fera des trucs à dessert. J'irai me commander des items via les Poki, je pense. Que je dois pas avoir accès à tout là. Enfin, pas dans la boutique Nook en tout cas. Je me commande des petits items comme ça. Et j'ai toujours pas trouvé de chaise qui s'accommoderait bien avec. Comment ça s'appelle? Avec les tables de café. Et ça, c'est chiant. Allez, on voit le bout. Mais putain. Allez, plus qu'à remplir ce petit carré là, et ce sera good. Il faudra juste que j'enlève ce qui est en haut à droite là-bas. Pourquoi est-ce qu'on peut pas paver le sol comme HHP? Putain. Dommage quoi, ils ont intégré cette idée là que genre tout le monde voulait depuis le début et
Ah non, pas dans le jeu en fait, non, juste dans le DLC lol. Les salauds. Putain que c'est fastidieux. Je veux pas que ce soit pas avec de bonnes intentions. Putain ouais, si seulement mon cher Astro. Non mais c'est ouf qu'il rajoute certaines idées dans le DLC mais pas dans le jeu de base. Alors que bon. Ça améliorerait tellement ce qu'on appelle la quality of life du jeu. Je comprends pas ce qu'ils ont fait avec ce jeu là mine de rien. J'ai beaucoup l'aimer, bah, je peux pas mentir quand même. Il y a tellement de choses qui pourraient être améliorées, c'est dingue quoi. Surtout qu'ils le font sur le DLC du jeu quoi. Enfin, intégrer le jeu de base, ça c'est bon, vous savez comment faire. Bordel. Alors, grande table de café. Je vais pas la mettre comme ça. Quand j'aurai des chaises, je les mettrai ici et de l'autre côté. on va faire comme ça. Putain, mais lui aussi il réfléchit, mais arrêtez de réfléchir. Vous me faites bader. Hop, on va les mettre en quinconce comme ça sera très bien. Et comme ça laissera tout le haut pour faire un grand buffet avec moult bouffe. Non, pas de comptoir, je m'en fous. Comme table de café, voilà. Je sais pas si j'en ai encore des tables de grande table de café, tiens. Ouais. On est là, parfait. Ici, on ne va pas en mettre. Je sais même pas s'il m'en reste en fait. Quel incroyable, table de comptoir. Table de comptoir, chaise de service, table de menu. Ok, donc là, il me faudrait encore... Merci, re-coucou, Mégalo, du coup. Déjà on va mettre les comptoirs et tout dans un premier temps. Quoique non, il y a des trucs à récupérer là-bas. J'ai jamais fait l'ouverture pour aller là. Bon. On va récupérer les cloisons du coup. Ce serait cool qu'on les mette dans un ordre un peu logique. Je sais plus, ouais, dans lequel c'était, je ne sais pas. Donc pas celui-là en premier, je mettrais bien le menu, etc. en premier.
voilà, ça en premier. Oh putain, je m'emmerde. J'avais aussi les tableaux menu du jour machin. Ça je peux le mettre ici. Pancarte, qu'est-ce que j'avais mis sur la pancarte? Le café, voilà. Ça, le café, je mettrai après. Moi je mets des cafetières et des machins aussi, ça pourrait être cool. Donc, je pense que je vais m'en sortir au niveau des items, ça va être bien. Chariot de service. Pancarte, qu'est-ce que j'ai mis sur la pancarte? Ah. Ok, les pâtisseries. Salut Go, comment ça va? Mais putain. Donc, ok. Table de comptoir, non, table de comptoir, on s'en fout. Ça va, je suis fatigué, j'ai dormi 4h30. Je suis, comme tu peux le voir, fidèle au poste. Tout pour ma commune, c'est incroyable cette abnégation. voilà, j'ai une grosse tête dans le cul, mais ça va l'effectuer. Voilà. J'espère que tu vas bien, du coup. Cloison simple, qu'est-ce qu'on avait en cloison simple encore, là? Le peigne. Le peigne il va aller plus loin. Bon, je vais le mettre là pour le moment. On verra bien comment on se remplace ensuite. Je l'en noir aussi. Oui, du coup, je vais dormir, tu vois. Ouais, j'ai changé de lumière assez récemment, la semaine dernière, je crois. J'ai pris des petites lampes LED et j'aime bien. J'aime bien ça. Nous sommes la nuit, oui, c'est ça. Nous sommes aussi l'arc. Ok, alors. Alors tout ce qui est bouteille, etc., je sais pas exactement à quel moment le mettre. Par rapport à mon buffet, il faudra un truc logique. Déjà, je vais aller choper des items. Enfin, je vais déposer des items. Bon, toute la bouffe et tout, je vais la mettre sur les... hop, sur les tables. Pour le moment, placer. Ah mais non! Connerie. Perdre une place, connard. Placé. Non, ça va pas le faire. Hop là. Mais. J'ai pépé. Hop, placé. Mettre le petit verre aussi, attends, que faire. Hop, le milkshake, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors celui-là, il va falloir que je le range avec donc l'autre. Table de comptoir, table de comptoir. Ouais. Table de comptoir ici. Encore une table de comptoir, évidemment. Je ne suis que table de comptoir. Et le chariot de service que je vais caler là, hop, histoire de le mettre quelque part, placer. Et les tables de comptoir, je vais mettre à côté en bordel pour l'instant. Histoire de faire un peu de place. Parce que je pourrais bien facilement. C'est là que tu vois que HHP c'est quand même sympa, hein. Tu prends tous les objets, voilà, tu les places tous très vite, t'es pas obligé de retourner dans le menu, de le sélectionner, machin, enfin, c'est tellement pratique.
c'est... Hop, je vais... Ah, tiens. Je me fais gaffe qu'il me restait un... Ah oui, mais c'est pas un... Oui, ça c'est... C'est pas un plat, c'est un item, ça, en fait. Ah oui, il faut que je jette aussi ma... Bon, ma toile fake, là. Oui, je jette cette toile incroyable qui est merdique. Alors, essayons de voir ce qu'on peut voir. Déjà, on va ranger... je sais plus quoi. Ceci et cela. Tac. Et maintenant, on va prendre... Oh, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh oui. C'est parti. Alors, bah, les chaises, pour le coup, ça, ça m'emmerde, mais j'ai pas grand-chose qui va avec... avec les tables de café, là. Celle-là, à la rigueur, mais avec une autre couleur. Faut voir. Bon, dans tous les cas, c'est pas ce qu'il me faut pour le moment. Les banquettes, on s'en fout. Oh, les sièges d'amphi, alors c'est cool, ça correspond au niveau des couleurs et tout, mais... J'ai peur que ça fasse un peu austère. Je vais tester, cela dit, on sait jamais. Pour les tables comme ça, je pense que ça ira. Hein. Toc, 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 je vérifie, ouais, ouais, ouais. Vraiment, je cherche l'inspiration avec les objets. Hein. C'est souvent ça qui me, qui me fait tilter, qui me trigger sur un truc. Je me dis, ah tiens, je pourrais faire ça et ça avec cet objet-là, tac, tac, tac. Et clairement, c'est comme ça que me viennent mes idées. Sinon, j'ai rarement une idée avant d'avoir les objets. Clairement, ma pièce à fossiles, donc c'est la pièce de l'étage de l'annexe du musée, là. J'avais pas du tout eu l'idée de faire une pièce comme ça, qui à la base était dans ma maison. La maison du compte principal, quoi. C'est juste qu'à un moment, j'avais, je crois, le... J'avais les murs fossiles et il m'a manqué le sol fossile. Et mon pote Simon m'a dit, ah bah tiens, j'en ai en rab, je te le donne. Et du coup, j'ai mis ça dans ma pièce. Et puis je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, je pourrais faire une pièce un peu archéologie et tout. Et je regardais un peu les objets que j'ai. Et puis, ah bah tiens, ça, ça peut le faire, ça, ça peut le faire, ça, ça peut le faire. Tac, 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 tac. Et au fur et à mesure, bah... C'est devenu une pièce fossile. Et de laquelle je suis très content, d'ailleurs. C'est une des rares pièces où je me dis, ouais, putain. Là, c'est vraiment cool, quoi. Ah, ça, c'est le rayon de magasin, ça va pas coller. Présente-toi un magazine, bon, dans un restaurant comme ça. Oh, il y a Amandou qui joue Animal Crossing, incroyable. Présente-toi un magazine, par contre, je me dis que je pourrais peut-être le mettre du côté de chez Amiral. Un truc comme ça. À côté des trucs d'attente. Je verrai. Je verrai ça. Étage à routine, non. Tout ça, on s'en bat les steaks. Tiens, oui, j'ai chopé ça hier, le cabinet de toilette. C'est stylé un peu. Des rideaux, on s'en fout. Les paravents, machin. Ah non, 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 les petites barrières, non. Donc la façade western qu'on a eu tout à l'heure. Non, bah, tout ce qui est cuisine... J'hésite à faire une espèce de cuisine en arrière-plan, quoi, au nord du restaurant, juste à coller au restaurant, quoi. Mais... Je suis en pleine hésitation par rapport à ça. Alors là, j'ai pas forcément les items qu'il faut, mais je me dis que ça pourrait être cohérent. D'avoir une petite cuisine comme ça. Je vais garder l'idée. De toute façon, j'ai la place, donc je pourrais le faire si j'ai envie de me triper. Les lampes, là, toc, 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 toc. Pouh, les réverbères là-dedans, ça va être un peu bizarre. Je pense que je vais me passer des lampes, malheureusement. Les petits ballons, ouais, les petites grosses glaces.
Des grosses glaces. Non, non, ça va faire bizarre. Qui s'enseigne. Bon, alors c'est années 50, mais à l'entrée du truc, pourquoi pas. Les instruments de musique, tout ça, bah non, je vois pas trop l'intérêt d'en mettre. L'électroménager. Non, c'est pas ce genre d'électroménager qu'on retrouve dans les restaurants comme ça. Congélateur et tout. Non. Je pourrais faire aussi des chiottes à côté, pourquoi pas. Faut que je note l'idée dans ma petite tête. Alors des plantes, oui, pourquoi pas, des plantes. Petite déco, quoi. Bon, alors, non, les tas de feuilles, non. Presse-pantalon, peut-être pas. Putain, j'en ai trois. Qu'est-ce que je fous avec ça? Sur pied avec les, on dirait des pizzas ou des trucs. Je vais prendre ça. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Vitrine à glace complètement et le bar à salade évidemment. Alors oui, les stands. Ça pour plus pour le marché. Donc on verra ça quand on fera le marché. Peut-être tout à l'heure, peut-être la prochaine fois. Ça c'est quoi? C'est du pique-nique ça, hein? Oui. Ok. Chose intéressant, je pense. C'est quoi ça? Ah oui, c'est un tapis de yoga. Oui, oui, j'ai gagné en faisant de l'aérobic. Poum poum poum. Bon, c'est toujours les enfants. Je déteste les enfants. Je ne vais rien faire pour eux, pour ces saloperies de moutards. Ouais, truc asiatique, bif bof, pyramide, tout ça, non. Ouais, ballon de la fête des œufs, non. Alors, je pensais choper ça pour faire une table d'anniversaire avec la déco, fait du partage aussi. Genre, il y a quelqu'un qui fait, genre un gosse qui fait son anniversaire. Je viens de dire que je ferai rien pour les gosses en plus, hein, lol. Le chariot gâteau de la chance. Chariot gâteau de la chance, est-ce que je pourrais. Peut-être plus sur le marché, ça. Sur le marché, ouais. Les coussins, on s'en fiche. Les miroirs, on s'en fiche. Le grille-pain. Non, pas grille-pain. Pas grille-pain, non. Mixeur. Distributeur d'eau fruitée. Ça me semble bien. Sachet de café. Moulin à café. Cafetière italienne. Ah ouais, alors non, c'est ce truc-là que je voulais. La cafetière à siphon. Que m'a offert Robusto. On va prendre une machine à café comme ça aussi. une petite bouilloire comme ça. Cruche de service, oui. Tourniquet à épices, évidemment, on va prendre celui-là. Faudrait que... Oui, service de table, oui, complètement. Des bouteilles décoratives, oui. Évidemment, un pot de lait sucre. Tac, 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 tac. Petite corbeille de fruits. Voilà, j'ai des plats de carbo, miam miam. Bon, alors les plats, je verrai plus tard. Voilà, je vais pouvoir mettre de la bouffe absolument partout. Les enfants sont des mobs dangereux. C'est tout à fait ça. Les villes mobs.
encore un truc d'anniversaire, là, les bougies. Ça va peut-être faire beaucoup. Ah, quoique. Après, les couleurs sont correspondantes peut-être pas, mais. On va laisser comme ça. La musique. Ah oui, la musique, pourquoi pas, mais je sais pas où est-ce que je foutrais ça. ça, non, absolument pas. Non, non, non. Ah tiens, j'ai chopé deux trousses de soins. Ok. Non, tout ça, ça ne rime à rien pour ce que je veux faire. C'est quoi ça déjà? Ah oui, le coussin d'alliance nuptiale. Attends, j'avais complètement oublié cet item. Un extincteur. Ouais, alors ça, je verrai si je fais une cuisine plutôt. Salutations, Croador. Comment vas-tu, l'ami? Zartarn. J'espère que tu as dormi. Plus longtemps que moi. J'en suis à 4h30 à mon actif là. J'ai la tête dans le cul. Rien d'intéressant là-dessus. Non, 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 non. Et vos aubergines et tout, non. Les trucs Halloween, non. Ça va faire du partage, ouais. Quand d'abondance, ma foi. Pourquoi pas. Et ensuite, c'est de la décoration murale. Ok, bon là, je pense que mes poches sont pas mal pleines. Ah oui. Ok, alors, essayons de se démerder avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Alors, déjà, enseigner les 50. Voir la foutre là. Alors, évidemment pas comme ça. Oh putain. J'y peux. Fatigué, réveillé à 7h, impossible de me rendormir à cause de divers bruits et dérangements qui. Et. Le vieux bricolé à 11h. Ah! Quel enfer! Mais putain! Mais. Tu fous de ma gueule? Nickel. Donc, on avait... Ah oui, double siège d'amphi. Qu'est-ce que ça peut donner, ça, les sièges d'amphi? Ah putain, mais tu m'emmerdes. Pourquoi c'est jamais dans le bon sens? J-pep. Puis voilà, évidemment, je ne vais pas pouvoir les bouger. Mais en soi... Je trouve pas ça si déconnant au niveau des couleurs. Et même du design, ça marche. Merci pour le lurk du coup, et bon appétit, et à tout à l'heure. Mais ouais, je trouve pas ça déconnant, pour le coup. Du coup, il va falloir que je m'en commande. Je me commande des sièges d'amphixe. Plein, donc je vais commencer dès à présent. Hop. Le siège d'amphi.
couleur brun foncé. On commande 5. Donc le maximum pour aujourd'hui. Ok, c'est bon. Très bien. Donc demain, je pourrais bricoler ça. Ok, donc c'est validé. Ensuite, ah oui, les petites plantes. Et ben, on va en mettre une dans le coin ici. Ok. Est-ce que je peux en mettre une dans le coin là-bas? Je ne sais plus. Ou avec, les sièges d'amphi là. C'est pas dit que ça passe. Je vais en mettre une ici et au pire, j'enlèverai si jamais on merde. Ok, on fait comme ça. L'ancienne est sur pied. Ah oui, l'ancienne est sur pied. Enfin, ça montrait quoi? Une pizza ou un truc? On a beaucoup de tarte. Non, des pâtes. Ok, les pâtes. On garde ça pour plus tard parce qu'effectivement, on peut faire des plats de pâtes. Vitrine à glace. Alors, ça, on met ça à la fin. Les glaces, les desserts, tout ça, c'est à la fin. Essayons d'être cohérents. Hein. Que se passe-t-il, Go? Pourquoi as-tu l'air si heureux? Un vitrine à glace, ok. Même si là, techniquement, c'est pas un truc comme ça au niveau des glaces que j'aurais voulu, mais plus une espèce de gros bac où on se sert soi-même. Là, il faut quelqu'un qui serve, quoi. Je viens espionner le Discord, c'est-à-dire... T'étais pas sur le Discord, toi, déjà? Alors, barre à salade, on met ça au début, par contre. Un petit ballon, je le vois. Je le vois complètement. Je ne vois que ça. Il est bien rouge et bien rond. Merde. Voilà. Ah, très bien. Mannequin, premier secours, quoi? Ah, mais je connais pas cet item. Qu'est-ce que c'est? Ah, ah bah merde alors, ouais. D'accord. Ah bah tiens, voilà autre chose. Bon alors je laisse là pour l'instant, mais c'est rigolo. Panneau d'anniversaire, ah oui, je voulais voir ça. Je vais en le mettre là, quoi. Mettre là comme ça, pourquoi pas. Le truc est chiant, est-ce que je peux le mettre... Ouais non, évidemment, il va se mettre là, ce con. Ok, je sais que je vais faire. Bah non, en fait. Putain, je suis un génie. Ah, un autre Discord en commun avec Morty. Ah, ça marche, bon appétit, Astro. Merci pour le lock. Effet de l'heure, par contre, ouais, on voit pas beaucoup qu'il y a Happy Birthday, quoi. Merde, ça colle pas. Ça colle pas. Je vais faire avec les autres décorations d'anniversaire. Ce n'est pas grave. Ah, évidemment, on peut plus passer après. Ok, donc moulin à café, sachet de café, ça je vais redescendre ici. Et du coup, qu'as-tu trouvé sur cet autre Discord en commun avec Morty? C'est le Discord de qui? C'est quelqu'un d'autre qui stream? Cafetière à siphon, machine à café, bouilloire... Ouais, donc ça c'est tous les petits trucs que je vais pouvoir mettre après. Ok.
commencer à disposer un peu les trucs. Tac. Ensuite, alors bah, c'est par rapport aux cloisons. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Oula. Ah, j'aurais pu reculer encore un poil. Le menu. On va gagner de la place. Hein. Merde. Voilà, on gagne moult places et c'est pas plus mal. Alors, les cafés, etc. Là, on voit des boules de glace aussi, ce sera plus sur la fin. Le pain, on peut le mettre assez tôt, je pense, dans notre petite histoire, là. Avec les boissons à côté, pourquoi pas. Peut-être pas juste à côté des boissons. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais choper quelques cloisons, quelques tables de comptoir, puis je vais en disposer. Au moins en mettre deux, et je vais voir pour choper des items peints et les disposer ici. Table de comptoir. Limite, je mettrais bien une autre cloison avec le même pattern dessus de pain. À moins que... Ah si, si si en fait, si si complètement. Si si si, faut que je fasse ça. Alors... J'ai encore des trucs de... Oui, j'ai des kits de personnalisation. Et il me semble bien avoir vu dans, mes... dans mon stockage moult cloisons. Donc je vais pouvoir changer ça. C'est un autre streamer que je connais, mais si quelqu'un d'autre est en live, on est notifié comme Morty tout autre. Un peu tout le monde y compris, je connaissais pas. La coloc il y a 2 minutes. Ah, sans déconner. Bah alors. Pourtant, dans, je mets à chaque fois dans mon titre de stream pour l'exclamation Discord, tout ça. Et on est dessus. Faut pas hésiter à venir dessus. Du coup, bah Mortit est dessus, évidemment. Il est notifié de ses lives, tout ça, quoi. Enfin, tu es notifié quand il est en live. Alors... Les cloisons là, putain ça va être où? Là. Ok, super. Je vais me réveiller, cerf-volant, tout ça. Je t'en veux pas du tout. T'en fais pas. Hop, on prend ça déjà. On va aller personnaliser ça, donc on va mettre un truc de pain. Je trouve d'autres patterns par contre pour customiser les cloisons. Hein. Alors. Toc. Où sont-ils ici du coup? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, je crois que j'ai déjà tout mis. Ouais. Ok, donc Bakery Shelves. Ok, donc on met le deuxième ici. Poc poc. Du coup je vais me faire baiser. Faut que je recule ça. Putain, c'est chiant. Voilà. Ok, donc là il faut qu'on mette des corbeilles de peigne. Soit
coller au bar salade. Parce que sinon ça va faire bizarre. À moins que je ne puisse pas, mais ce serait étonnant. Ah bah voilà. Bon, je laisse que un seul menu par contre. Déconner quoi. Ok. Voilà, très bien. Ici, et on remonte, et ce sera bon. Du coup, essayons d'ores et déjà de faire des items pain. Alors, des items pain, est-ce que j'en ai déjà de près? Déjà ça. Ça, on pourrait le mettre là. J'avoue de service là. Là-haut, j'ai du ping. Absolument pas. Je vais vider un peu mes poches parce qu'à mon avis, je vais avoir besoin de passer de cuisine. Je vais remettre une table de comptoir, tant pis. Cloison simple encore. Ah oui, ensuite c'est les petits items. Bon, pareil, je vais faire comme tout à l'heure, je vais me débarrasser sur les tables. Pour toi, il est complètement. Enfin, le matin, il est midi 50 chez moi. Et chez toi? Je sais pas d'où tu viens en fait, Go. Service de table. Ouais. Ah ouais, alors service de table, évidemment, ça dépasse un peu. Putain, il me trigger cet objet, quoi. 6 AM. Ah putain, mais tu viens d'où? Tu viens d'où, Go? 6h du mat, mais il y a un sacré décalage, t'es québécois? Canada très cher, incroyable! Ah, attends. Canada ou Québec du coup? Parce que je sais qu'il faut pas déconner avec ça. Ah mais c'est dingo! C'est complètement dingo ça! Oh, putain, un camp d'abandon ça prend tellement de place. Ok. Ah mais c'est génial ça, tu viens d'où exactement, Go? Je crois que t'es mon premier viewer ever qui vient Et donc bon. du coup, alors, dis-moi ce que tu préfères quand même. Canada ou Québec? Mais en tout cas, c'est la première. Tu es le premier viewer que j'ai qui vient d'Amérique du Nord. J'ai déjà eu un viewer chilien qui venait quand je faisais Prince of Persia de 89. Notre cher UBQ, très gentil. Ouais, t'es mon tout premier. Alors, tu n'es pas mon premier outre-Atlantique, mais en tout cas, je peux ajouter le Québec ou le Canada à ma collection de viewers maintenant. Tu viens d'où exactement du coup? C'est trop cool, j'ai été au Québec en 2017, j'ai adoré de ouf. Je vais aller voir les recettes d'abord. C'est quoi ça? Plateau Metal Eye. Ok. Ah oui, il est sucré. Ça reste dans les, c'est dans les sucrés, le pain? Non. Corbeille de pain, du coup, il faut de la farine. Et des pains salés, ma foi, pourquoi pas. Carottes, tomates, pommes de terre. Et vive la Provence. Ah putain, il y a Lobo qui est là. Ouais, non, mais j'ai pas le temps, là. C'est-à-dire que tu viens de Québec? Je sais plus.
Je suis honoré, quoi. Non, mais j'ai pas le temps là, tu m'emmerdes. Alors. Non, mais vas-y, balance toutes les infos que tu veux. Go, parce que là, pour le coup, ça me rappellera potentiellement des bons souvenirs du Québec. Je crois qu'il fallait la tomate aussi, non? Pour. Bah oui, je suis pas chez moi, là. Genre tu rentres chez moi comme ça, quoi. Province de Québec, mais ville différente. Ah! Alors quelle ville? Ça se trouve, je suis passé là, ce serait fou, d'ailleurs. Fabrication possible. Ah mais attends, la farine, j'en ai peut-être encore. Je crois que j'en avais déjà fait. Où est-ce qu'elle est la farine? Putain, j'ai tellement de plans encore. Ah voilà. Ok. Ça se peut, ça commence par M, putain, M. Parce que j'ai été à Québec, mais quand... attends, où est-ce que je logeais? Je crois que c'était Quaticook. Je crois que c'était ça le nom du patelin. C'est un patelin pas très grand. Et je crois que c'était Quaticook. En fait, j'étais à deux endroits. En gros, j'ai été là-bas grâce à mes parents. En gros, mes parents, bon, avant qu'il y ait le Covid et tout, ils voyageaient un peu de par le monde très régulièrement. Et en fait, ils faisaient des échanges de maisons. Et en fait, ils m'ont dit, bah hop, on va aller au Québec. En fait, en échange de maisons, on fait un échange de maisons avec des Québécois, avec un couple de Québécois. Et du coup, bah, bon anniversaire, on paye le voyage, quoi. Du coup, j'ai été avec eux. Et en fait, les Québécois chez qui on était, ils avaient deux résidences, en fait. Il y en avait une dans une ville. Je crois que j'ai... Putain, j'ai le nom sur le bout de la langue, ça me saoule. Et en fait, donc, on est arrivé là-bas, on a passé une première nuit là-bas, c'était cool et tout, c'était adorable. La réputation des Québécois qui est pas volée, quoi. Et on était au Walmart, alors du coup j'étais fou parce que bah Walmart, il y en a pas chez nous, donc j'étais ah yes, un Walmart, regarde, j'y vais. Et après on a été donc du coup dans leur résidence secondaire, et c'est là où vraiment on a habité. Et je crois que c'était Quaticook. Et oui, c'est un Québécois, go. Putain, ça commence par M. Putain. C'est quoi? Non, merde. C'est ça que je voulais faire. Ah, t'as un oncle qui va à Québec? Ah, c'est fou ça. Alors, par contre, putain, je sais plus du tout. On était pas loin du Mont Mégantic, parce que j'ai été à l'observatoire là-bas, machin. Aïe aïe aïe. Attends, non, Montréal. Sherbrooke. Ah, on était dans le comté de Sherbrooke, je m'en souviens. Magog, tout ça, oui. Quaticook, voilà, c'est ça. Donc je crois qu'on était là-bas. Putain, ça me dit grave quelque chose, donc je pense que c'était ça. Et eux, ils habitaient à. Putain, c'est quand même pas merveilleux comme nom, quoi. Bacon's Bay, nom de Dieu. La ville juste à côté, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Putain, où est-ce qu'ils étaient? Ah oui, il y avait la ville de Sherbrooke, en effet. Où est-ce qu'ils étaient, sinon? Oh, ça m'énerve, j'ai le nom sur le bout de la langue. Cowansville, je crois, non? Attends. Cowansville, c'est où? Par rapport à ça. Parce que soit on y est passé, soit c'est là où ils habitaient. C'est pas très loin. Enfin, c'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est pas tout près non plus, visiblement. Après, je me rends pas compte des distances aussi. Enfin, c'est tellement grand aussi par chez vous. Je l'ai nommé. Quoi, hein? Ah non, tu m'énerves. Quoi, Magog? T'habites à Magog? Ah, c'est fou, putain. J'étais pas loin de chez toi, du coup. Eastman, ça me dit quelque chose aussi. Cowansville, à mon avis, on y est passé, mais. Mais genre, non, c'est pas là-bas où ils avaient. Putain! Un stream géographie. Oh, c'est ça! Ah non, mais ça me saoule! Parce que j'ai vraiment le nom sur le bout de la langue. Je suis pas sûr que ce soit comment. Putain, Cowansville. Quaticook, Cowansville.
C'était peut-être ça. C'est où Montréal? C'est là. Remarque, non, ça se trouve, ouais, ils étaient pas très très loin de Montréal. Toute proportion gardée. Et du coup, peut-être qu'ils vivaient à Cowansville. Et que nous, du coup, après, on a vécu à Quaticook. Parce que je crois qu'on était dans le comté de Sherbrooke, pour le coup. Et dans tous les cas, c'était grave cool, quoi. Spécial canal avec trémolo, ouais, c'est clair. Mais je crois que c'était ça. Au pire, je leur demanderai à mes parents. Et je te confirmerai ça. Granby, on y est passé aussi. Enfin bref, voilà. Ouais, j'étais dans le coin, quoi. Tac. Où est ma Switch? Ici. Voilà. Au travail. Mais ouais, en tout cas. Ah non, c'était pas Magog. Putain, bien. À Montréal, du coup, potentiellement. T'aurais pu passer dire bonjour quand même. J'avoue, je suis vraiment un sale connard de français, quoi. Ah, tu vois, c'est ça les Français, on n'est pas polis. On emmerde les gens et tout. Alors, les peignes. Mais Montréal, ouais, alors, je suis pas passé énormément à Montréal pour le coup. C'était plus sur la, bah, bon, sur la toute fin, avant que je reprenne l'avion, parce que donc, mes parents sont restés un peu plus longtemps que moi. Et avant d'aller prendre l'avion, en fait, on s'est dit, bah vas-y, on passe un peu à Montréal, on passe genre une bonne partie de la journée là-bas, genre fin de matinée, fin d'après-midi. Et après, j'avais mon avion qui était genre à 22h, je crois. Donc du coup, on a profité, on a pu se balader un petit peu. J'ai été au Foufounes électrique, excellent bar. J'ai été. Putain, c'était pas un planétarium? Si, attends. Putain, merde. Je sais plus si c'est un planétarium à Montréal ou à. Il y a un truc trop cool là-bas. Putain, je sais plus si c'était le planétarium. Quel enfer cette mémoire. Vas-y, j'en fais une autre. Mais en tout cas, oui, Montréal, très belle ville. J'ai trouvé ça cool parce que. En fait, généralement, moi, je n'aime pas les grandes villes. Ça m'angoisse. Je déteste Paris, par exemple. C'est atroce. Mais en fait, Montréal, un peu comme Berlin, tout est très large, tout est très aéré, machin. Ça pue pas la vieille pollution et la pisse, contrairement à Paris, quoi. Donc, du coup, c'était vachement agréable. Et ce que je trouvais ouf, c'est que, voilà, tu te baladais dans une rue qui avait, genre, un style. Et tu changes de rue, et putain, mais c'est un autre style quoi. C'était assez fou. Et puis ouais, les gens sont tellement adorables, c'est fou. Les foufous électriques me fait honnêtement rire comme nom à chaque fois. Mais je peux avoir l'humour d'un enfant. Ah oui, non, mais moi c'est pareil. Mais oui, donc bah, en fait, les foufous électriques, je le connaissais avant d'y aller. Parce que je connais quelqu'un qui avait bossé en fait, qui était parti au Québec, quoi. Et puis ici, il bossait en bar, et du coup. Bah, il avait bossé au Foufounes, et quand il était revenu, il m'avait parlé de ce bar, donc j'avais crevé de rire en voyant le nom, quoi, évidemment. Hop, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Quand on était dans Montréal avec mes parents, on se baladait, machin, et puis là j'étais, oh, il y a les Foufounes électriques et tout, et j'étais, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Mon pote Axel, il a bossé, machin et tout. Du coup, on y est allé boire un petit verre vite fait, quoi. C'était cool. C'était trop cool en vrai. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais, bah, alors, bon, j'ai rien fait de spécial au Foufoun pour le coup. J'ai bu un coup, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'affiches de concerts qu'ils avaient organisées et tout. Putain, ça déconne pas. Hein. Il y avait vraiment des noms très sympathiques. Je me souviens pas exactement desquels, mais voilà. Il y avait une borne d'arcade et tout. Donc, je dis, ah, yes, ça c'est bon ça. J'étais content parce que j'avais vu les locaux d'Ubisoft aussi, même si bon, Ubisoft est de la merde. J'avais vu les locaux de Behavior, qui est un des studios qui bosse sur Star Citizen, alors j'étais content. Qu'est-ce que j'avais vu? Je sais plus. Enfin, on a pas mal déambulé comme ça et. Ouais, Montréal, j'ai trouvé ça cool. Ouais, il y a les locaux d'Ubisoft. Bah, Ubisoft Montréal, quoi. Tout simplement. Non, hop là. Donc, ouais, non, j'ai. J'étais assez content. Après, comme j'étais avec mes parents, j'ai pas fait ce que je voulais, entre guillemets. Moi j'aurais bien voulu me balader complètement au pif et visiter des trucs un peu what the fuck et tout, mais en fait là on a été très plan-plan, donc bon, c'était cool, mais voilà. Bah, j'aime pas Ubisoft, en fait, le truc c'est que ils peuvent être très bons
quand il s'agit de lancer des nouvelles licences, il y en a plein qu'ils ont lancé qui étaient genre grave cool et tout. Mais par contre, ce que je déteste chez eux, c'est que quand leur licence marche, ils les pressent comme des citrons. Et puis en fait, bah, ils les ruinent. Assassin's Creed, ils l'ont ruiné. Splinter Cell, c'est devenu un peu nulos. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Enfin, c'est surtout Assassin's Creed, en fait, ils font n'importe quoi avec. Alors que putain, de base, j'adorais la saga, quoi. Jusqu'au 3. Et le 3, bah, la prochaine fois, du coup. Après, tu bois chez Ubisoft? Si c'est le cas, clairement, je ne retire pas mes propos, et tant pis. Hein. je crois être le seul à croire ça. À croire quoi exactement? Capture si fou, ouais, d'accord. Donc là, il me faut. Non, c'est pas ça du tout. Si je fais ça. Toc. Les Ghost Recon. Oui, les Ghost Recon aussi. Alors, du coup, je suis beaucoup moins connaisseur des Ghost Recon. Jamais trop accroché. Mais oui, ça m'étonne pas qu'ils aient ruiné ça aussi. Hein. C'est très chiant. C'est très fâcheux. Nouveauté décorative en place. Limite, j'en choperai d'autres. Un de ces quatre. Que je personnaliserai pas une autre cloison simple comme tout à l'heure. Hop. Alors pas du passer par là, soit oh, si ça va. Ça fait quasi le même. Puis assez Origins, j'ai lâché. Ah bah, et encore ça va, t'as été jusqu'à assez Origins. Je te dis, moi j'ai été jusqu'au 3. Donc j'avais vraiment tout fait avant. Donc le premier que je considérais comme assez rafraîchissant à l'époque, pas parfait du tout, mais un très bon brouillon, et je m'étais dit putain, s'il corrige un peu les erreurs et tout, pour un 2, ça pourrait être vraiment très bon, et c'est exactement ce qui s'est passé, je trouve. Ils ont vraiment peaufiné leur jeu à ce moment-là, et le 2, pour moi, en tout cas à l'époque, maintenant je pense que bon, ce serait un peu vieillot, on va dire, mais en tout cas, à l'époque, c'était fou. En fait, toute la trilogie Ezio, j'ai adoré, parce qu'il y avait le scénario aussi qui était grave cool et tout, machin. Du coup, le 3 arrive. Alors moi, déjà, j'étais un peu moins fan de la période historique, mais bon, passons, pourquoi pas. Et je le lance, et en fait, il était blindé de bugs. Le personnage était nul, donc le personnage de Connor était nul. En fait, tout ce que j'ai bien aimé, c'était les batailles navales. Et le reste était chiant à mourir et tout. Et puis vraiment bugué as fuck. Du coup, j'avais lâché le truc. J'avais lâché Assassin's Creed. J'ai pas voulu faire Black Flag non plus, d'ailleurs, parce que bon, le côté pirate et tout, ça m'intéressait pas plus que ça. Et le dernier que j'ai fait depuis, au final, c'était Origins, justement. Parce que j'adore l'Égypte antique et tout, j'adore la mythologie égyptienne à titre personnel. Et du coup, j'avais emprunté au Micromania où je bossais à ce moment-là. Où j'avais bossé. Je sais plus si j'y bossais encore. Et du coup, je l'avais fait, et ça a été le premier jeu où je passais les cinématiques au bout d'un moment, parce que ça me cassait les couilles. Et autant au niveau des décors, les ambiances et tout, c'était grave cool, autant au niveau gameplay, bah, ça devenait un Witcher 3-like, parce que ça marchait, et du coup, ils se sont dit, bon, on va faire pareil, avec du loot à plus savoir qu'en foutre, machin, j'étais, mais non, les gars, putain, vous avez encore tout niqué, quoi. Donc du coup, j'ai lâché le truc. Odyssey, ça m'intéressait pas plus que ça. Et puis alors, Valhalla, non, enfin, le délire viking, c'est pas mon truc, je suis pas un genre Ragnar non plus. Et puis je savais que de toute façon, il ferait de la merde avec ça. J'ai vu le jeu tourner chez notre ami Metal Curieux, qui stream les vendredis soirs. Et j'étais, ah ouais, non, c'est ok, c'est nulos. Origins, j'ai adoré. Ah, puis il y a eu Odyssey qui m'a inquiété, puis Valhalla que j'ai décidé de ne pas acheter car mouais. je trouve qu'ils mettent trop pour rien en un jeu en vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ubisoft, en fait, pour moi, ils sont quasiment en train de devenir aussi puants que EA et Activision, quoi. C'est ça qui est très très dommage. Alors, ils gardent pour eux le fait d'avoir quand même lancé des licences complètement folles, mais...
Bon, avec des DLC dans tous les sens, des microtransactions, des machins. Allez vous faire foutre. Odyssey m'a très vite ennuyé. Alors que je voulais aimer. Bah ouais, mais je voulais aimer le Origins, hein, tu vois. Je voulais vraiment l'aimer. Parce que j'avais vu quelques visuels, et les pyramides, les sphinx, les machins. Oh là, putain, vas-y, donne-moi encore plus, quoi. Mais. Non, au niveau gameplay, c'était chiant. Ils rallongeaient la sauce en disant non, cette zone-là, du scénar, tu peux pas y aller parce que t'as pas encore le niveau. Alors vas-y, farcis-toi 30 quêtes FedEx nulles pour gagner le niveau, machin. Oh là là. Il traite beaucoup la vache. Ah oui, voilà, ça pour traire la vache, il traire la vache, il traire la vache. Et je trouve ça insupportable. C'est tellement dommage parce qu'il y a tellement de potentiel, mais il le gâche, quoi. C'est mon avis. Mais je trouve qu'il le gâche. Pareil, les Far Cry aussi, tu vois, j'en parlais pas. Mais. Alors Far Cry 1, c'était pas Ubisoft, je crois. Je sais plus. Je l'ai pas fait. Le 2, je l'avais fait, et il a des gros soucis, mais j'ai passé quand même beaucoup de temps dessus, notamment sur l'éditeur de map. Après, je jouais avec des potes sur les maps. Et en vrai, j'avais passé des bons moments, même si le jeu était pas parfait. Le 3, à l'époque, était un gros coup de frein. Salut, Croador. Enfin, Croador. Le 4 était plus que moyen, c'était un 3,5. Le 5, je l'ai refait il y a pas longtemps avec notre ami Leif Gorpson. J'ai refait en stream, parce qu'en fait, il est débilos, il est très drôle. En fait, faut vraiment y jouer avec un pote, et là, tu te marres comme un con. Et le 6, oui, bon, bah, c'est la même chose encore une fois. Alors, je l'ai pas fait, mais de ce que j'ai vu, ouais. C'est bon, on a compris quoi. Renouvelez-vous un peu, les gars, quoi. Donc, il y a quelque chose, Core Engines, avec. Je l'ai pas retrouvé, je sais pas trop si c'est l'ambiance ou bien. Les assassins, par exemple. Par exemple, oui. Ah non, pour moi, en fait, Assassin's Creed, c'est devenu random open world action RPG, machin. C'est un jeu très très générique, quoi. Alors qu'avant, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait vraiment quelque chose. Des cloisons simples, là j'en ai encore, j'aimerais bien en mettre, mais j'ai pas de déco. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser. J'ai vu souvent la critique, bon jeu, mauvais Assassin's Creed. Ouais, je serais assez d'accord. En gros, moi je dirais plus jeu moyen et lambda, très générique, et mauvais Assassin's Creed. Après, je suis peut-être un peu méchant, mais c'est ainsi, quoi. Alors, on va aller là-dessus. Pattern Gallery. Et on va taper là-dedans. Putain, qu'est-ce qu'on va taper? Restaurant. Un peu de méchant. Ah oui, ouais. Moi j'en ai rien à foutre, je suis méchant. Restaurant Stall, Tea House. Alors Tea House Shells, on va voir. Sweet Shop, ça pourquoi pas. Ok. Ice Cream Store, oui. Éventuellement. Ice Cream Print, ouais. Mexican menu. Ah, je crois qu'on peut faire des tacos et tout, donc pourquoi pas. Ah, c'est valable, elle est trop cliché, trop facile à mon goût. Être en mode assassin ne m'apporte pas autant de satisfaction que dans les autres opus. Quelle tristesse. Quelle énorme tristesse. Bakery stall. Ouais, il est un peu vide comme truc, je trouve. Fishton. Ah ouais, alors non. Coffee Cup, oui, pourquoi pas. Quand j'ai vu toutes les quêtes secondaires inintéressantes, le 60 heures pour voir la fin, j'ai décidé non, je passe, c'est bon. Bah, tu vois, c'est pas le fait qu'un jeu soit long qui me dérange, mais c'est le fait qu'il soit inintéressant, quoi. En tout cas, que moi, il ne m'intéresse pas. Par exemple, tu vois, je parlais de Witcher 3 tout à l'heure, même si clairement l'Heroic Fantasy, c'est pas mon délire de base, enfin voilà. SF que Heroic Fantasy, mais en tout cas je l'ai fait, je l'ai adoré, et j'ai passé je sais plus combien de temps dessus, quoi. Alors, je suis pas passé 500 heures, j'ai passé quand même un bon moment. Et bah oui, parce qu'il était bien, en fait. Parce qu'il était très bien, il était bien branlé, tout ça, quoi. Pattern database. Quête secondaire dure 30 secondes dans un périmètre de 30 mètres. Waouh, génial. Ah, même dans Odyssey, c'était tout. Ouais, d'accord. 40 heures de quête non importante. Yep, j'exagère sûrement, mais ça se sentait comme ça. Non, mais voilà, c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant parce qu'en fait, dans Origins, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi.
gros, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas pour continuer. Parce qu'en gros, moi je voulais plus ou moins rusher la quête principale, tellement c'était chiant. Et en fait, non, on me forçait à faire des quêtes à la con, mais pendant des heures et des heures. J'étais, non, mais vous me faites chier, en fait, j'ai juste envie de finir votre jeu. Parce que. Bah, parce qu'en fait, le reste est nul, quoi. Ah. Non, c'est pas Stall qu'il me faut. Attends, qu'est-ce que j'ai ici déjà? Un truc de thé. Ouais, il est pas terrible. Là, il y a des glaces. Là, il y a des glaces et je dis oui. Alors, je vais les prendre en photo comme ça. Ce sera plus simple. Tic-tac, il n'y a pas de photo. Oh, bah, c'est celui-là en fait. Là. Toc. Ouais, je prends une photo dessus aussi. Toc. Alors, la bouffe mexicaine. Parce que normalement, on peut faire des tacos. Donc, je vais prendre une photo. Café comme ça, ma foi, pourquoi pas. Toc. Alors, celui-là, il est cool aussi. Je pourrais faire les deux. Toc. Ok. Je l'avais pas trop ressenti, mais peut-être car j'ai jamais exploré l'Égypte antique, là où la mode d'Odyssée est très grande mais vide. Ouais, le problème quoi, c'est bien de faire des open world complètement délirants, merde, complètement délirants et tout au niveau de la taille, mais enfin, si c'est vide, bah en fait on se fait chier quoi. Donc non, ça ne marche pas les gars, ça ne marche pas du tout. Alors. Toc. La galerie, on va aller là-dedans. On va faire la bouffe mexicaine dans un premier temps. Je vais remplacer quoi ? Menu café. Non, pas celui-là. Café ici. On efface. Non, c'est... qu'est-ce que je veux faire déjà? Ah oui, putain. C'est ça que je voulais faire, je suis con. Accéder au portail, voilà. Mais ouais, non, ils sont relous parce qu'en fait, ils font du copier-coller plus ou moins de ce qui marche à côté, ou alors de leur propre jeu. Notamment les Far Cry, en fait, c'est des copier-coller au fur et à mesure. C'est plus intéressant depuis longtemps en fait quoi, et c'est tellement dommage quoi. Ok, ABC. Toc. 1 JHN. Et 19 XG. Sinon il y a God of War. Bah God of War tu vois, oui et non. God of War 1, excellent. God of War 2, la folie. God of War 3, incroyable. J'avais fait un des épisodes PSP, les deux je crois pas. Je sais plus lequel j'avais fait. Et j'ai fait le God of War 4 là où justement il est en mode genre Ragnar là. Et j'ai trouvé ça insupportable. J'ai joué genre 5 heures, j'ai arrêté. J'ai trouvé ça nul. En termes de gameplay, en termes de même... Enfin le Kratos, je veux dire c'était plus Kratos en fait... C'était devenu un héros de jeu vidéo lambda qui rend service à des gens. Tiens, mon marteau est tombé dans le volcan, on va le chercher. D'accord. Putain, ta gueule quoi. Ah, c'est ton préféré. Putain, bah, c'est celui que j'ai vraiment pas supporté quoi. Question de goût après. Hein. Mais non, celui-là, je trouvais que ça trahissait complètement le matériau de base en fait. Ah, par contre, il est magnifique. Ok, plan séquence, machin, tout ça, tout ça. Mais non, enfin, j'ai l'impression d'avoir vu un papa en pantoufle avec son fiston insupportable. C'était pas mon délire. 8DCF. Mais je sais qu'il a énormément plu, hein. Mais moi, je te dis, ouais, j'ai joué 5 heures. Je suis parti le revendre, quoi. Et mes anciens collègues de Micromania, ils étaient, ah non, tu déconnes, tu le revends pas, quoi. Je fais, si, c'est une bouse. Je fais, ah mais non, putain, mais arrête, quoi. Je fais, ah non, je suis désolé, mais non. Pareil, quand j'aurais revendu Red Dead Redemption 2 le lendemain, ils ont halluciné.
Puis bah non, mais c'est chiant à mourir en fait, c'est trop de détails pour rien. Les couilles de ton cheval qui rétrécissent, tu dois le brosser, tu dois lui pat-pater la tête, tu dois le nourrir, ton flingue, tu dois le lustrer, le briquer. Oh vos gueules, putain, laissez-moi m'amuser quoi. Tarnovapouille, Origine, c'est Redondant et Odyssée aussi, mais un petit peu moins. On y trouve quelques forêts, montagnes et exploration de la mer aide. En termes de mapping, ma référence est Skyrim. Map bien plus petite que l'Assassin's Creed, mais bien mieux foutue et diversifiée. J'avoue que la map de Skyrim était grave cool. Surtout l'histoire et le monde que j'adore, mais je peux avouer que le combat est moins axé que les précédents. Oui, déjà, la caméra à l'épaule pour les combats, j'ai trouvé que c'était une hérésie par rapport. Enfin, en gros, on n'était plus dans un beat'em up ultra nerveux comme avant. Là, c'était mou, en fait. Non, pour moi je joue un God of War, j'ai envie de jouer un truc qui défonce la gueule là. Et en fait j'étais là. Ouais, je me suis pas amusé du tout malheureusement. J'étais vert hein, parce que putain je l'attendais de ouf quoi. Même si c'était en mode mythologie scandinave, ok c'est cool, mais bon le délire viking je trouve ça un peu facile. Enfin c'est ouais c'est un peu la mode, viking, machin. Ouais, enfin ça va 2 secondes, j'ai pas trouvé autre chose quoi. Je sais qu'avec un pote on s'était dit mais putain pourquoi pas Assassin's Creed en mode Maya, ce genre de truc et tout, putain ça a jamais été exploité, ce serait original, il y aurait moyen de faire des trucs quoi. Mais non ils font du genre Ragnar quoi. Donc bon. Je vais remplacer le bakery. Quoique non. Merde là! La faute des gens qui viennent Ragnar. Non mais ça on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Mais c'est chiant quoi, parce que bon, putain, y a que ça quoi. Alors tac 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 tac, mushroom ça. Ouais bah je vais le mettre là. Hein. Hop là. Alors next. Les autres glaces. 8J 78. MG4. Et 67JR. Comme dans Dallas pour les vieux qui sont ici. C'est Maya, j'en rêve aussi. Ah tiens, c'est marrant. Et les conquistadors et tout, il y a moyen de faire quelque chose de cool. Mais voilà. Non, puis même, tout ce qui est Maya, Inca, ce genre de truc, enfin Amérique latine, c'est très peu exploité, ce serait original. Et puis ça rendrait hommage à une civilisation de ouf, quoi. Merde, faites quelque chose quoi. Oh la caméra en one shot, j'adore perso. Non mais après, techniquement, il est ouf quoi. Je la trouve immersive. Je dirais, mais je comprends qu'il fallait que ça change car les gens se sont lassés des mêmes mécaniques des God of War originaux après plusieurs itérations. Et ils en ont fait que 3 sur console de salon, c'est pas délirant quoi. Mais après le truc c'est que, enfin pour moi, quand tu joues à God of War, t'as envie que ça arrache la gueule quoi. Et là je trouvais ça trop mou. Et dommage. Comme ça, hein. J'ai beaucoup amusé avec ce God of War avec une grosse difficulté. J'ai beaucoup catch jamais dessus. S'ils font la mythologie égyptienne, tu serais partant? De quoi pour God of War? Non, non, c'est bon, j'ai arrêté là. Oui, si, je. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais non, non, c'est bon, j'ai arrêté ça. Et puis de toute façon, j'ai pas la PS5, j'ai pas l'intention de me la prendre avant, à mon avis, un bon moment. D'ailleurs, j'ai vérifié ma PS4. La dernière fois que je l'ai utilisée pour jouer à un jeu, donc c'était Everybody's Golf, c'était l'été 2020. J'y ai pas retouché depuis, sauf pour aller genre sur Netflix, Disney+, etc. Je ne joue plus à la console en fait. C'est fou, alors qu'à la base je suis un gros consoleux. Maintenant je fais tout sur PC, et notamment en stream. Je joue plus à côté quoi. Au moins ça pourrait se concentrer sur l'assassinat. Déjà oui. Vu que les Mayas sont bien moins équipés que l'Espagne à cette époque. Bah carrément, ouais. Le God of War de la maturité. Ouais, tu vois, j'ai vraiment pas supporté quoi. Mais c'est des questions de goût, enfin de toute façon, comme toutes les formes d'art, ça passe pour des personnes et ça passe pas pour d'autres. C'est comme ça. Ok, donc là j'ai mis tous mes patterns. Allez. Techniquement, si Kratos est plus mature. Oui! Oui, effectivement, mais ouais, mais moi je m'en fous qu'il soit mature, je veux qu'il casse des gueules, je veux qu'il pète des culs avec sa lame du chaos et puis voilà, ouais, qu'on s'amuse à faire ça, tu vois. Alors, par contre, là où je suis un peu dégoûté, c'est que pour tout ce qui est plat, poisson, machin, mes couilles, et ben j'ai rien. Pour les plats de pâtes, j'ai rien en fait.
Très dommage ça. Les finishes sont assez violents, il y a moins de QTE. Alors oui, les finishes sont violents, Kratos il n'est pas à côté, évidemment, je peux dire le contraire. Mais le truc c'est que en termes de gameplay, en termes de prise en main, c'est beaucoup moins nerveux qu'avant. Et c'est ça qui m'a manqué, ça qui m'a dégoûté en fait. C'est comme si là, tout d'un coup, bon, je suis beaucoup moins fan, j'avais bien aimé le 1, mais c'est tout. Mais c'est comme si les Devil May Cry ou les Bayonetta par exemple, passer en vue FPS et puis que ce soit un peu mou du cul machin, bah non en fait c'est des beat'em all ultra nerveux, des beat'em all modernes, donc à la différence des Street of Rage, Final Fight etc, c'est des beat'em all modernes qui sont méga nerveux, méga fluides et tout. Il faut pas leur enlever ça, c'est l'essence même du truc en fait. C'est comme si je sais pas, dans Animal Crossing t'enlevais les petits animaux mignons quoi. Comme si dans Zelda, Link ne se battait plus avec son épée. Enfin, non, c'est mort. Ou s'il n'y avait plus d'énigmes dans les Zelda, tu vois. C'est pas possible. Alors, on va faire les deux trucs de glace dans un premier temps. Personnaliser autre chose. Donc le deuxième avec le deuxième pattern de glace. Ceci, voilà. Je commence à avoir beaucoup de motifs différents en fait, moi j'y pense. Personnaliser autre chose. Tu n'aurais pas mes lives en fait, je le savais. Ah, je savais pas que tu streamais. Tu fais quoi du coup? Bah bon, j'imagine que tu fais du God of War. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah oui, alors là, il y avait les tacos. Il y avait Bakery aussi, effectivement, que je voulais faire. On va faire Bakery. Après, tu sais, les lives que je regarde, c'est déjà exclusivement des lives de petite chaîne où je peux papoter avec la personne. Et en fait, même quand le jeu, c'est pas forcément mon délire, si je peux, je viens et je regarde. Parce que je viens pour la personne, pour papoter avec elle et tout, l'encourager s'il y a besoin, ce genre de truc. Tu vois par exemple, mon pote Metal Curieux, il avait streamé Assassin's Creed Valhalla. Je suis venu le voir plusieurs fois, mais enfin voilà. Alors certes, j'aimais pas le jeu, mais bah on papotait et moi je passais un bon moment parce que j'étais avec mes copains, tu vois. Donc, tout va bien. En ce moment, tous les God of War, 3 en ce moment, et rarement du... ah oui, du Monster Hunter. Yes, excellent. En Monster Hunter, c'est pareil, j'avais testé une fois sur Wii U. Que j'avais le jeu dans, en bundle quoi, et c'est chiant parce que le jeu m'intéresse sur le papier, mais quand je le teste en fait je suis perdu, puis je m'amuse pas, il y a quelque chose, j'arrive pas à accrocher, c'est dommage, dommage parce que c'est la grave intéressant. Faudrait que je vienne voir un peu ta chaîne, Go. Faut que je pense à lâcher un follow. Toc. Un café aussi. Monster Hunter, c'est à jouer entre potes pour être vraiment intéressant. J'y passais tellement d'heures dessus. Ah, je savais pas que tu aimais les Monster Hunter. Ah ouais, mais vraiment, faut pas que j'oublie, Go, mais ce sera avec plaisir. Après, alors, faut voir à quelle heure tu streams aussi, tu vois. Ah merde, je me suis craqué. Parce que, bah, toi, tu streams aux heures de chez toi, évidemment. Aux heures de Montréal, si j'ai bien compris. Et du coup, à voir à quelle heure ça tombe chez nous aussi, quoi. Puis bon, je suis pas à dispo tout le temps, donc, évidemment. Moi qui joue solo de trois quarts du temps. Alors, les cafés ici, ouais. C'est... Ah oui, c'était Bakery. Voilà. Donc, pas trop d'infos. On va faire Bakery ici.
cafeton. Cafetière à siphon pour l'anniversaire. Ok, toc toc toc. Je sais, c'est tôt, le midi pour vous, ou bien 7h-8h du soir. Alors 7h-8h du soir pour chez toi, du coup j'imagine, non? Ah, pour la France. D'accord, ouais, 7h-8h, vraiment, je suis en train de bouffer ou ce genre de trucs. Je sais que j'ai d'autres potes qui stream aussi, comme bah, il y a Mortit du coup, aussi, mais bon. Je te promets rien quant au fait de venir régulièrement, quoi. Et déjà, faut que je n'oublie pas de lâcher un petit follow, parce que ça mange pas de pain et puis ça soutient les petites chaînes. Enfin, quoique, ça se trouve, t'es pas du tout une petite chaîne et tu es une très grosse chaîne, j'en sais rien. Mais non, il faudrait que je vienne le voir et puis. Ça me ferait marrer de réentendre parler un Québécois, là, ça fait longtemps. Alors qu'à la base, j'aime pas trop votre accent, mais en fait, je m'y suis fait, et puis ça me rappelle les souvenirs, quoi. Je parle pour Monster Hunter World, que j'ai fait à plusieurs... Monster Hunter 3, je l'ai fait entièrement solo, c'était un jeu préféré. Ah yes, force à rien, t'inquiète pas. Ah, je sais que tu forces pas, hein. c'est moi qui dis tiens, il faudrait que je vienne, quoi. Ça me désespère un peu de ne pas avoir plus de panneaux de bouffe salée. Il va falloir que je trouve quelque chose. Ça va pas le faire du tout. Pourquoi est-ce que j'ai pas tapé food tout simplement. Je tapais restaurant, machin, mais non, faut que je mette food. En fait, je suis le dernier des abrutix. Alors, on y retourne, hein. J'ai hâte de savoir si j'ai un accent français ou québécois pour toi. Ah bah je pense que ce sera québécois, non? Pourquoi est-ce que t'auras un accent français du coup? Alors bouffe coréenne, McChicken, nanana, Five Guys, Takoyaki Sign, Christmas Market Menu, non. Marshmallow, ice cream, bakery encore, Mexican, donc ça j'ai chopé, sushi. Vous avez pas de la bouffe genre de ce qu'il y a dans les Animal Crossing là? c'est quoi cet enfer? Je râle sur des créateurs de contenu alors que moi-même je suis infoutu de faire des dessins comme ça. Coffee shop menu, donut café. Ah, donut c'est pas con ça. Pantry. C'est quoi ça, pantry? J'ai pas le mot. Ah ouais. Bon. Si pareil, il change avec qui je parle. Tiens, c'est fou ça. Ouais, mais là, comme tu parles à des viewers qui n'ont pas de voix, qui écrivent juste, comment est-ce que tu peux changer ta voix, du coup? C'est marrant, ça. Pizza. On chope. Irkat Bakery Shelf. Ça pourrait peut-être être sympa pour changer de l'autre. Des fruits, oui, parce que j'ai une corbeille de fruits. Sushi restaurant, putain. Qu'est-ce qu'il y a comme truc asiatique? C'est dommage parce que ça se focus beaucoup sur les trucs asiatiques alors qu'il y a plein d'autres items, quoi. Alors. Food store, ok, cake, blablabla. Seafood. Ah ouais, mais là c'est pour le stall, du coup ça ne va pas le faire. C'est quoi le site en ce moment? C'est... comment il s'appelle? Pattern database, je crois. Alors c'est noobsguide.com / prodesign / non, je te le mets dans le chat si tu veux. Hop. Par exemple, on peut changer. Un jour j'étais sur un jeu en ligne à une Discord, plusieurs fois on m'a dit que j'avais un accent. Je sais pas d'où j'ai un accent, mais apparemment j'en ai un. Tiens, c'est fou ça. Bon, en plus ouais, enfin tu vis genre dans la région de Rennes, il n'y a pas un accent de taré dans le coin. C'est pas genre comme par chez moi là dans le Finistère profond où tu peux avoir des accents bretons à couper au couteau, enfin à la tronçonneuse plutôt. Putain, mais y a pas grand chose sur ce site, quoi. Bon, dans tous les cas il y a ça, donc on va pouvoir prendre ça en photo. Déjà les petites donuts, parce que les donuts c'est cool. Ensuite, pizza. Pizza, 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 pizza. Donc, ah oui, dire 4, oui. Parce
Tiens, il y a une petite biche. Un petit cerf, quoi. Et food stall. Toc, on prend tout ça. Toc, et on va... Hop là, on repasse là-dessus. Je me remets sur ma switch. Je toque. Pour ça, on dit que j'avais pas trop d'accent et d'autres, oui, donc bon. Ah, tiens, c'est marrant, ça. Ça va dépendre plus de la personne qui écoute et pas de celle qui parle, c'est clair. T'as pas l'accent que je connais du Finistère Sud. Ah oui, bah je suis pas en mode gros braisou à parler comme solo, tu vois. Non, je suis pas trop marqué niveau accent. J'imagine que ça dépend peut-être des fois. Mais... Alors, tac, les bouteilles. Ouais, alors non, c'est ça que je voulais changer. Celui-là, je vais le changer. Toc. Ensuite, je vais histoire varier un peu peut-être. Donc je vais changer celui-là. Je crois que j'ai d'autres. Qu'est-ce que je vais par là ? J'ai d'autres poisons en rab, donc je vais aller choper ça. Les panneaux, je vais les vivre aussi. Tu te doutais de quoi, Go ? J'avais pas trop d'action, du coup, j'en ai moins que d'autres de mon coin, peut-être. Alors, prends quelque chose. Non, c'est pas là du tout. Ah oui, d'accord. Ça marche, Astro. Je te remercie dans tous les cas d'être passé et d'avoir papoté avec nous. Gentil Astro. Combien il me reste de... Ah putain, il me reste que deux personnalisations, au secours. Au secours du cul. Je vais en acheter une petite quinzaine, là. Pousse-toi, Ninjet. Pas en prendre plus d'un coup parce que Nintendo est chiant. Toc, toc. Ah, je parlais de ça d'ailleurs avec ma chérie, avec Bambi, avant-hier, je crois. Je lui disais que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, genre de binger un jeu. Dès la sortie, genre, tu chopes le truc et puis là, tu passes genre ta journée, ta soirée, un boulet dessus. Alors pour Animal Crossing, j'ai beaucoup bingé, mais du coup, c'était il y a un an et demi. Et là, en fait, à part pour genre un prochain Zelda, qui arrivera bien un jour, hein, je pense que je ne ferai plus, en fait, parce que j'ai plus autant la hype. Je suis devenu très aigri aussi. Merde. Je suis devenu très aigri, effectivement, par rapport aux jeux vidéo, parce que je trouve que tout se ressemble au bout d'un moment. Et là où, par exemple, à l'époque de la GameCube PS2 ou même de la PS3, je pouvais faire des sessions, mais pas possible, enfin pas possible. J'ai jamais fait des sessions de 24 heures d'affilée, par exemple, mais je crois que le maximum que j'ai fait, c'était 12 ou 15 heures d'affilée. Mais ouais, je pense que ça m'arrivera plus trop, en fait, malheureusement. C'est dommage, quelque part. Alors, donc ça, on change, on va mettre l'autre truc de pain. Où est-il, ce petit coquin ? Mais je l'ai pas pris en fait parce que j'ai pas encore. Putain, je suis con. Ah, faut peut-être que j'aille là-dedans en fait. Quel enfer. Ça marche, Croador. Des bisous, bon après, mais merci pour le lurk. C'est très gentil. De toute façon, moi je finis à 14h, hein, pépouze donc. Oui, c'est celui-là que je veux en premier déjà. Enfin, en premier, non, on s'en fout en fait. Hop. Alors, motif. Alors, un FQT. T, on a dit. 9J3Q.
crois-tu? Merde. Nicu. YV9L. Et du coup, Go, tu joues à Animal Crossing ou pas aussi? Parce que du coup, tu me posais la question par rapport au site que je consultais tout à l'heure. Genre, ça avait l'air de t'intéresser ou au moins de t'intriguer. Tu joues aussi? Du coup, on va faire ça là. Hop. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, Q479. FB4X. Et C7RL. Poc. Poc. Oh! Quoi? Q479. Ouais. FB4X. Ouais. Ah putain, mais j'ai mis CTRL. Merde, putain, faut trop commencer. Quel enfer. FB4X. Mais... Et c'est 7RL. Faut y arriver, hein. Voilà. Je commence à plus avoir trop de place. On y vient vite finalement. Alors ensuite c'est la pizza. W9N9. L2GF. F. Et oui je bois. À la tienne, Go. Yermat comme on dit chez moi. Hop, c'est 103. Merci. Ils sont rentrés. Hop, et... Ah oui, c'était les donuts après. Ah oui, ça c'est un 0. 0 VQY. 0 VQY. R11N. RXJF. Virtuellement, oui. Mais c'est cool déjà. Et sauvegarder. Hop, je crois que... Attends, j'avais fait ce truc là. Ah non, il m'en restait encore après. Le café du coup. Oui, donut machin. Et ensuite le café. Histoire de varier un peu. MDKK. Kaka. Ah, énorme. Ah, ça va du front, hein, cet humour. Hein. C'est un peu comme le stream d'Animal Crossing d'avant-hier, où c'était en mode Robustub, Amiranal, etc., etc. C'était sur-débile, c'était très drôle. CL6N. C'est bien ça, hein, CL6N, oui. Bien. 6N. Et 1YJM. Toc. Et voilà. Et normalement, c'est bon. Ah non, attends. Putain, il y avait celui-là aussi. Attends, j'en ai 3 pour le café, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, allez, on va s'arrêter là. Pour... Yop, là, les motifs custom. Pa pa pa.
Alors go, c'est partout. On personnalise comme des fifous. Cloison simple. Hop. Alors. Lesquels j'avais fait, lesquels j'avais pas fait. Je crois que ça j'avais pas fait du coup. Heureusement ça coûte que un kit de personnalisation à chaque fois là, parce que putain, je me serais ruiné sinon. Alors next. Hop. La petite boulangerie là. La petite biche. Je viens de remarquer qu'il y a un ou deux nouveaux plans médiévaux pour Mortide qu'on ne peut avoir qu'avec les habitants chics, filons que je les trouve. Ah putain. Habitants chics, j'en ai un moi, pour le coup, c'est Gary. Bricole pas souvent par contre. Putain, quel enfer. Ah, j'avais pas vu que Go devait s'en aller. Des bisous le Québec du coup, merci d'avoir été là et merci pour la papote, c'était grave sympa. A très bientôt et j'essaie de penser à lâcher un petit follow du coup, Go. A très bientôt donc. Des bisous. Grigouic. Hop. Je crois que c'est le dernier motif que j'ai. Tout à fait. Ok. Allez, c'est parti. J'ai toujours pas fini du coup. Hein. Ça m'a pris vachement de temps en fait. Faire ce restaurant là. Alors déjà bakery là. Alors putain c'est lequel maintenant? Je pense que c'est celui-là. Donut. Ok c'est celui-là. Toc. Ok donc ça c'est fait. Oh, il y a Mortide qui joue Animal Crossing, incroyable. Alors, du coup, ça c'était quoi? Les fruits, donc ça sera pour. Par là. On verra après où exactement. Je vais peut-être pas mettre deux trucs de bouteille en vrai. Bon, je sais pas, je vais voir. Hop. Ça c'est quoi? C'est pizza? Ouais. Ok, ensuite qu'est-ce qu'on a? J'ai que des trucs sucrés en fait, c'est ça le problème après. Ouais, et café. Que oui, je pourrais mettre les donuts aussi. Hop, hop. Et j'ai pas de putain de bouffe salée en fait. Ça, ça me tue. Bon, y a pas beaucoup de cohérence dans le style des panneaux, quoi. C'est un peu dommage, mais. Ah putain, j'ai encore une cloison. Oh. Cafetière, panneau, déco. Okay. Finalement, j'ai l'impression que je vais mettre moins de tables que
quand c'était en vertical, tiens. Ah merde, putain. Ok. Je vais virer ça. Ça me laissera plus de place pour mettre des places salées, même si bah, je sens qu'il va pas y avoir de déco derrière. Ça m'ennuie un peu, mais je crois que je vais pas avoir le choix parce que vraiment, je n'ai aucun talent pour dessiner ça moi-même. Très malheureusement. Vous croyez bien que j'aimerais ça, mais... c'est pas possible. Pas pratique, hein. C'est un peu fastidieux le déplacement des trucs et tout. Après je comprends, je trouve que j'avais lu ça quelque part, Nintendo qui est en mode ouais mais si on met tout en plus facile à déplacer et tout, bah, on prend moins le temps et c'est pas Animal Crossing machin. Ouais, je vois le point de vue. Alors, comptoir. Ah bah de toute façon, non, j'ai tout mis en fait. Attends, j'ai que deux trucs de café, au final. J'en ai mis que deux. Ah, c'est café et glace. Ouais, bon, tant pis. On va se faire ça. Toc, les fruits. Avec et puis ce sera tout quoi. Cafetière à siphon, voilà. Toc, genre je mets ça. Ou alors je mets le. Bah non, je mets le paquet de café. Parce que c'est Robusto qui me l'a offert celui-là aussi. Sachet de café, voilà. La fine à café, je la repose. On va faire un peu plus tard. J'ai encore des tables de comptoir, du coup, oui. C'est ça qui est dommage parce que ça pourrait ne pas être fastidieux, mais ça l'est.
l'impression de faire des vrais déménagements en fait, quoi, c'est dingue. Alors oui, le bang, oui. Oh putain. Putain, le perso est si facilement bloqué, au secours. Alors on va pouvoir remettre déjà. Je sais plus ce que c'était que j'ai mis là. Gras salade. Je pof. Voilà, on met ça au bord. Ensuite. Ça, je vais le décaler tout de suite. Non, on va se mettre là, sinon on va se piéger. La cloison, Billy. Ah mais putain, mais non, tout est décalé. Oh putain, j'en peux plus. Et merde. Alors, on décale d'un cran. Tout décaler comme ça, sinon je vais m'emmerder. Putain, quel bordel! Il faut aussi prendre les items dans ma main et puis. Enfin, dans mes poches et puis les recaler, hein, c'est sûr. Je vais me faire ça tout de suite en fait. Lui, je vais le mettre au milieu par contre. Je vais faire exprès de ne pas l'allumer exactement. Alors, nique-toi. Oh putain. Je le mets au milieu du bar à salade quoi. Ici, s'il te plaît. Oui, je vais y arriver. C'est un peu l'enfer, mais je peux y arriver. Ok, donc ça, c'est bon. Le menu au milieu, ensuite le ping. Toc. Hop. Hop, hop. Ok, on y arrive. Je suis sûr qu'il est déjà 16h du coup avec mes conneries. Ah non, putain, il est quasiment 14h par contre. C'est bon là en fait. Parce que je mets le pain ici. Ah bah non, c'est pas bon. Bah non, connard. Bah non, parce que ce sera décalé de 1/2, 1/2 case là. Donc ça va pas le faire du tout. Si je le tourne comme ça, histoire de changer un peu. Dans ce sens-là. Comme ça, on voit les petits pains en dessous, c'est plus mignon. Passer de l'autre côté. Ça peut être parce que j'ai un décalage du coup. Mais bon, c'est pas grave. Alors ça. Est-ce que je le garde, est-ce que je le vire, je ne sais pas encore. Parce que je pourrais ne mettre que un lot de bouteilles décoratives. Et du coup je pourrais mettre plus de bouffe sur. Enfin du coup je pourrais mettre un item de bouffe en plus sur l'étagère juste en face de la bouffe. Ça peut être quelque chose à faire. Bon après ça laisse quand même un minimum de place pour mettre des plats salés. Et puis de toute façon, c'est pas évident que je vais gaver les tables, les tables de café, de plein d'items bouffe. C'est très évident. C'est un des coffrets du partage, force tien, cloison simple. Oui, donc là il faut que je prenne...
Ouais, j'en ai plus. Ouais. Okay. Il me reste encore du parquet au sol là, putain. Alors, table de comptoir. Ok. Je vais poser des plats au pifos. Histoire de vider un tout petit peu mes poches. Et puis d'autres pancakes vont aller avec ça. Ça là par exemple. Même si clairement, faut que je mette des beignets. Merde, des donuts. Non. Ok, qu'est-ce que j'ai dans mes poches du coup? Que de la merdouille là, oui, ça il faut que je mette tout ça dans mon inventaire. Enfin dans mon stockage quoi. Ok, ok, les fruits. Alors, je peux mettre la corne d'abondance au niveau des fruits. Quoique il y a du salé, enfin il y a du... Il n'y a pas que des fruits. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre une corbeille de fruits et voilà. Hop là. Distributeur d'eau fruitée plutôt. Non. Mais putain. Mais au secours. Le jeu qui m'en veut. Voilà. Un panier de fruits. Et distributeur de fruits. Et il est 14h. Enfin, que j'y aille. Putain, fait chier, j'aurais passé tellement de temps là-dessus, c'est ouf. Commence, non, plus ensemble, non, ok. Je vais juste aller virer ces items de poche. Hop, je range un petit peu quand même. Je prends le ballon parce que bah, je suis quand même à côté, ce serait un peu dommage. Oh, putain, c'est vrai que j'ai le mannequin là, il est mort le truc. Bar mural. Ah oui mais attends c'est mural donc je peux pas le... Ah non. Bar mural, putain je connais pas. Je connais pas ça. Je vais vite fait voir à la maison ce que ça donne. Putain mais j'ai plein de parquets encore en ici au secours. Oi oi oi. Putain. Jamais été voir Amiral non plus, tiens. Bravo. Alors, bar mural, je crois que j'ai... Ah mais si, attends, bar mural, c'est le poisson à la con. Je crois que c'est ça en plus. Oh putain, c'était juste ça. Je pensais vraiment à un bar genre... un bar avec des boissons, quoi. Bon, bah tant pis. Mannequin premier secours, on repose. J'aurais dû aller dans mon stockage extérieur, ça aurait été plus rapide. Bon, c'est pas grave. Allez, un dernier, et on est bon. Yes! Hop! Allez, on plie les gaules. Salut la VOD, ciao!